balsamique, on l'appelle l'or noir de Modène, ça se trouve en Italie. Il est élaboré à partir de jus de raisin très mûr, tout juste récolté. Alors à Modène, évidemment, c'est un savoir-faire ancestral et une affaire de famille qui dure depuis 400 ans tout de même. Comme nous le raconte Camille Gutin avec Anne Donadini et Laura Tossiti. Quelques gouttes de ce précieux liquide suffisent à parfumer le moindre de vos plats. Le vinaigre balsamique, baptisé en Italie l'or noir, représente le trésor de la ville de Modène. Une tradition ancestrale, vieille de plus de 1000 ans. La famille Giusti fabrique du vinaigre balsamique depuis 400 ans. Les raisins cultivés à Modène sont pressés, puis le moût est ensuite cuit, avant d'être placé minimum 2 mois dans ses fûts. Tout est entreposé au grenier pour bénéficier de la chaleur et donner ce goût si particulier. Il amène avec soi des senteurs des fruits cuits, des senteurs balsamiques en général, des harmonies, des balances, de la noix, du miel. Pour le vinaigre balsamique de très grande qualité, il faut du temps, 12 ans d'affinage minimum. Une fois par an, Claudio Giusti déplace délicatement le précieux liquide dans d'autres fûts pour qu'il s'imprègne des différentes essences de bois. Ce qu'il faut faire, c'est de transférer la partie des liquides qu'on a perdu là en prélevant de la deuxième. Donc, et je laisse tomber le liquide. Un secret, en fait. C'est un ordre que beaucoup de gens de Modena le connaissent, mais c'est très difficile à le faire. Et c'est un produit super typique de la zone de Modena qui a été fait dans ce territoire. Pour pouvoir ensuite commercialiser cet or noir et bénéficier de l'indication géographique protégée, tous les vinaigres doivent être examinés par l'organisme de contrôle officiel de Modène du vinaigre balsamique. Bonjour, les dégustateurs, vous pouvez entrer, je vous en prie. Asseyez-vous chacun à votre poste. 6 personnes vont goûter, sentir, évaluer plusieurs échantillons. Mais avant de commencer, tout débute avec la couleur de ce liquide. Déjà, au niveau visuel, on regarde la couleur, la densité et la limpidité. Et là, vous voyez, c'est un vinaigre qui n'est pas assez limpide. Chaque critère est noté. Le vinaigre doit obtenir au minimum 229 points pour être certifié. La note maximale, elle, est de 400 points. Il y a de l'harmonie et de l'équilibre. Je mets une note de 23. L'acidité est très bonne. Je mets au moins 24. 264 points au total. C'est un vinaigre qui obtient un score élevé. Une certification indispensable, car certaines bouteilles les plus âgées peuvent se vendre à plus de 500 euros. Mais depuis peu, la Slovénie veut-elle aussi fabriquer son propre vinaigre balsamique avec sa propre recette? Si l'appellation de Modène est protégée, le mot balsamique, lui, ne l'est pas. Leonardo Giacobazzi, vinaigrier, espère faire changer la législation. Je pense que ce savoir-faire doit être reconnu et protégé. S'il n'y avait pas ce savoir-faire, les produits comme le champagne en France ou le vinaigre balsamique à Modène n'existeraient plus. Tout le monde pourrait les copier et baisser leur qualité. Un savoir-faire qui s'utilise jusque dans les cuisines des plus grands chefs étoilés. Selon ce cuisinier, aucun plat salé comme sucré n'est complet sans une touche de vinaigre balsamique de Modène. Il faut seulement ajouter quelques gouttes, ça donne un goût très agréable. C'est doux, intense, mais aussi acidulé et aromatique. Pour faire perdurer ce goût millénaire, la ville de Modène a candidaté pour inscrire son vinaigre balsamique au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.